les gens arrivent. Je pense que ça va être très bien. C'est un très bon networking, le principe du Techcom Award. Et l'intérêt principal, c'est de rencontrer les bonnes personnes et voir qu'est-ce qu'on peut dégager sur l'année suivante. Et l'intérêt, c'est les challenges. Là, j'aurais apporté mon soutien et mon support aux nouveaux nominés. Et je vois qu'ils sont d'un calibre qui monte. Donc, c'est bien. Surprise, très organisée. Et que le meilleur gagne. L'Écho Austral est heureux de vous accueillir en ce lieu empreint de magie et d'histoire pour la 10e édition de l'élection de l'entrepreneur de l'année et vous souhaite à tous la bienvenue. Je vous demande d'accueillir chaleureusement le directeur général de l'Écho Austral, monsieur Alain Foulon. Je suis très heureux, au nom de toute l'équipe de l'Écho Austral, de vous accueillir ce soir. Aujourd'hui, nous n'avons pas le choix. Notre avenir est régional. Nous sommes sur des petits marchés. Nous avons à mettre en œuvre nos complémentarités, notre synergie, parce que nous ne pesons pas lourd sur la carte mondiale. Nous souhaitons que ce Techcom Award puisse apporter sa contribution à cet entrepreneuriat. Merci et je vous souhaite une bonne soirée. Monsieur James Benoit, Chief Executive Officer d'Afrasia Bank. Distinguished guests, ladies and gentlemen. We're really pleased to be the title sponsor of the Afrasia Techcom Award. It's an exceptional event where we celebrate tonight the success and entrepreneurial spirit that exists in this remarkable country. Recently, Mauritius has continued to gain many international accolades, increased recognition. We're moving up the ranks for ease of doing business, according to the World Bank, and many other wonderful awards that the country as a whole is winning. You're already winners, and one of you is going to go on to some great success this evening. And with that, let's let the show get on. Thank you very much. Have a great evening. Eh bien, je vous invite maintenant à procéder au compte à rebours avec moi. Qui sera élu entrepreneur de l'année 2012? Automatiquement à tous mes équipes, à tous mes family members, parce que bon, ils sont là, certains m'ont suivi dans ma nouvelle aventure, ils avaient le choix de ne pas venir, ils ont décidé de venir, me suivre, donc à ceux-là, je dis bravo et merci de m'avoir accompagné, d'avoir cru dans notre nouvelle aventure. Très bel accueil déjà, c'est très joli, très intéressant, les gens motivés, heureux, et superbes nominés, je pense que c'est une belle soirée. Je félicite M. Pitot pour le travail qu'il fait. Je félicite aussi tout le monde qui a participé, ainsi que M. Ramlol, même s'il n'a pas gagné, mais je sais que c'est quelqu'un qui est gagnant de tout ça. Partir d'une idée et la construire et réussir à partir de quelque chose d'original et qui n'existe pas.